Bon, il est un peu tôt pour vlogger, mais c'est à cette heure-ci que commence ma journée à Paris. Une des dernières avec la nuit encore. Vous voyez la vue derrière moi. Je suis pas encore complètement jour. Je suis pas complètement net, au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, c'est mieux. Donc aujourd'hui, une des dernières journées sur Paris, avec pas mal de trucs à faire. Je suis un peu fatigué parce que hier, je suis rentré vers 1h ou 2 du mat pour faire une petite manifestation de policiers. Manif sauvage, c'est rigolo d'ailleurs quand on a suivi les événements à Sivens d'entendre des slogans de policiers dans les rues de Paris qui marchent sur l'Elysée. Donc les photos sont correctes. Mais bon, il y avait beaucoup de photos, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que je vais pas être le premier à vendre des images de cet événement. Ce matin, en tout cas, après une petite nuit de 4-5 heures de sommeil, rendez-vous au ministère de la Défense à Ballard pour rencontrer des gens du service de communication des armées. Pour discuter de reportages que je prévois de faire dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et puis ensuite, vous allez voir dans la journée, il y a pas mal de trucs, notamment j'ai rendez-vous avec VSD pour pareil présenter des sujets. Une journée assez remplie. Du coup, ça me fait penser à vous dire que quand on travaille sur des sujets de défense comme je fais, c'est pas toujours facile de filmer parce qu'on n'a pas tout le temps les autorisations pour faire ce qu'on veut. Donc c'est pas sûr que pour le ministère de la Défense, je puisse être capable de filmer grand chose à l'intérieur. On verra bien. Alors je suis à l'intérieur de Ballard, le ministère de la Défense, et je peux pas trop filmer à l'extérieur, mais je peux filmer à l'intérieur parce qu'ici c'est le bureau des opérations. En fait, tout se passe ici, là, avec lui. Du coup, tu fais quoi ici? Tu fais des trucs super importants? Alors, on fait forcément des trucs super importants. Ici, c'est le bureau des journalistes du magazine de l'armée de terre. Donc c'est ici qu'on écrit tous les articles pour le MAG, qui sort tous les mois. Ok, pardon, en fait, il se passe rien ici, c'est pas super important. Voilà, non, désolé. On va aller à un autre endroit. Et tu fais de la propagande sur ma chaîne YouTube, ta pente. Il est pas en vente en kiosque. Si, je l'ai vu en kiosque déjà. Non, plus maintenant. Ah bon? Non, plus maintenant. Tant mieux, ça laisse de la place pour opération spéciale. Il est où Tigrou? Il faut toujours que Tigrou soit sur les images. Et il faut forcément qu'il soit caché. D'accord. Y'a pas Tigrou? T'es pas en décolleté? Putain, mais tout se barre, y'a plus rien. Pas décolleté, pas de Tigrou, c'est la fin du vlog. Du vlog. Voilà. Et donc c'était Fred Marie qui faisait semblant de venir sur Paris travailler. Alors que franchement, regardez autour de nous, est-ce que vous imaginez qu'il peut travailler?